coup, today, je suis à Bali pour un stage de développement personnel. J'espère que ça va être sympathique. Donc voilà, je vous en dirai plus. Là, je ressors donc de. J'avais dit que je ferais un bilan hier soir. Je suis sortie du stage, se libérer des blessures du passé, mais dans un état déplorable. C'est-à-dire que j'étais épuisée. Là, ce soir aussi, je suis épuisée, mais je vais quand même faire un retour vu que je ne l'ai pas fait hier. Donc, ce stage permet d'aborder dans plusieurs domaines, en fin de compte, de la vie, donc pour le travail, la famille, les amis, etc. D'aborder tout ce qui va être les croyances limitantes ou les souvenirs, les choses qui ont pu nous blesser par le passé, qui nous empêchent d'avancer dans le présent. Et c'était un stage très très intéressant. On rencontre de très belles personnes. Ceux qui animent ce stage sont des thérapeutes, mais qui sont très très bien. Donc si vous avez envie d'investir, on va dire, dans votre bien-être physique, mental, etc., et que vous avez des croyances limitantes, que vous avez l'impression que dans votre travail ça passe pas bien, parce que vous reproduisez tout le temps les mêmes schémas, etc., ou si vous manquez d'estime de vous, etc., je vous recommande vraiment d'aller regarder, ils ont certainement sur Google, hein, vous cherchez Révolution Consciente sur Google, ou leur Instagram ou leur Facebook, et je vous invite à regarder du coup les différentes formations qu'ils peuvent proposer. Voilà, moi ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a pas mal remué. Demain, je sais pas comment je vais aller travailler parce que vu ce matin comment j'ai galéré à me lever, je pense que demain ça va être pareil.